Auditude. L'idée reçue, c'est pirater, c'est voler. Auditude nous dit, et si pirater, c'était échantillonner? Et si pirater, c'était le début de l'achat? Comment ça marche? Tout simplement, lorsque vous commencez à télécharger n'importe où sur Internet, un film, pour prendre cet exemple, Auditude va repérer, grâce à la base de données de tous les films qu'il a pu numériser et digitaliser, va repérer que c'est un film qui a des droits d'auteur, et donc va vous envoyer un message vous suggérant fortement de ne pas voler, mais bien d'acheter, et vous proposant directement de vous connecter au lieu qui va vous permettre donc de louer en quelque sorte le film que vous étiez en train de regarder. D'une certaine manière, le début du piratage devient de l'échantillonnage et, d'une certaine manière, au bon moment, fait appel à un sentiment positif, non pas celui qui consiste à dire « attention, je suis en train de voler, donc je vais avoir encore plus envie de continuer parce qu'on me culpabilise », mais au contraire, faire passer l'idée de ben, « vous aimez ce film, vous avez envie de le voir, c'est une bonne idée de ne pas oublier les gens qui l'ont réalisé ou les acteurs qui l'ont tourné ». Donc c'est comment complètement positiver une démarche qui, jusqu'à présent, le piratage, est traité uniquement par le bâton et jamais par la carotte. Toute la question qui est posée, c'est est-ce que Auditude va rester avant tout un projet au service de la cause des auteurs et du non-piratage, avec un risque tout de même pour Auditude qui serait de tomber dans une démarche pénalisante, c'est-à-dire on laisse l'écran jusqu'à ce que les gens craquent et payent enfin, et donc d'une certaine manière on bloque ce piratage, ou est-ce qu'au contraire, Auditude reste dans cette démarche libertaire qui consiste à reconnaître que les gens veulent des contenus à bas coût sur Internet et du coup proposent d'autres manières d'y accéder ou de les financer, par exemple en ouvrant ces contenus à d'autres formes de publicité que simplement le message « arrêtez de pirater, achetez-le ».